à Minneapolis. Strawski. Je ne vais pas pouvoir, monsieur. Alors, une vodka, ce que vous avez. Désolé, monsieur, je ne suis pas autorisée à vous servir d'alcool. Qui vous a dit ça? Le médecin qui s'est chargé de vous faire embarquer. Vous voulez un peu d'eau? James! Allez. Debout, on y est. James. Hey, sois gentil, rends pas les choses plus difficiles qu'elles le sont. Je vais bien. Ça va aller, j'ai pas besoin de tout ça. Putain, mais t'as vu un peu la gueule que t'as. T'as l'air d'une épave, James. T'as besoin d'aide. S'il te plaît. Bobby, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Je le fais parce que t'es mon frère. Et que je tiens à toi. Et que tu brises le cœur de papa et maman. L'infirmière vous a mis sous benzodiazépine et sous diazépam. Ce sont des médicaments de désintoxication. Ils vont stabiliser le cœur et diminuer votre pression artérielle. On ne voudrait pas que vous ayez une crise cardiaque ou bien des convulsions. On y est presque. Je vous ferai examiner par le dentiste dans la semaine. D'accord? Allez, la dernière. C'est la dernière. Et voilà. Bien. Et maintenant, si on regardait ce nez d'un peu plus près, vous voulez bien? Non, ça ira. Restez tranquille. Regardez-moi. Droit dans les yeux. Bon, alors, si je veux le remettre en place, je vais devoir le briser. Non. Gardez vos bras le long du corps. Tenez-vous droit. Parfait. Prenez une grande inspiration. On y va. Et... Madame, avancez. Tu veux te faire un petit rail? C'est pas que j'en ai, c'est juste que je te demande si ça te dit. Je peux avoir une cigarette? Qu'est-ce que t'as au visage? T'es sourd ou bien t'es attardé? J'avoue qu'au premier coup d'œil, ça saute pas aux yeux.
D'où est-ce que tu viens d'avoir? De Cleveland. De Cleveland? Ok, donc t'es attardé. Ouais. Ça va? Ouais, je sais. C'est débile comme question. Écoute, pourquoi est-ce que tu me parles? Tu me connais pas. Bien sûr que si. T'as des problèmes. C'est pour ça que t'es ici. J'ai des problèmes, c'est pour ça que je suis ici. Tu sais, ma grand-mère, c'est elle qui m'a emmenée de Chicago, ça fait Monsieur de la route. Fry. Bonjour, Roy. Patient aussi. On m'a dit de vous emmener tout de suite à l'unité Sawyer. Vous venez? Vous n'avez pas le droit de sympathiser avec les femmes, on vous l'a pas dit. Si. Ok, on peut vous dire de vous en aller si vous franchissez la ligne, c'est clair? Vous êtes impatient, c'est ça? Alors vous allez faire quoi? Suivez-moi, monsieur Fry. Fry, connard. Ici, c'est réservé au personnel, donc accès absolument interdit. La cuisine partagée est ici. Elle est vraiment partagée, donc vous pouvez vous servir en café autant que vous le voulez, mais n'oubliez pas de nettoyer après vous être servi. Les mugs sont là, vous vous en choisissez un et vous mettez bien votre nom dessus, ok? Chut, ça c'est le téléphone collectif, uniquement accessible pendant vos heures de loisirs. Voilà ce que sera votre chez-vous dans les 6 semaines à venir. Tous les jeudis matins, vérifiez bien le tableau des petits boulots à faire. Voyons voir, James Fry... C'est Fry, Fry, c'est pas Fry, c'est Fry, on prononce Fry. Tiens, ça tombe bien, nettoyage des chiottes. Mais attention, assurez-vous qu'elles soient immaculées, comme vous voudriez les trouver en entrant. Voici notre espace commun. Il y a pas mal d'exemplaires des 12 étapes et on les passe en revue après chaque repas. Bien entendu, interdiction de dormir dans l'espace commun. Suivez-moi. Je sais que ça fait beaucoup d'un seul coup, alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous adresser à Lincoln. C'est le superviseur de l'unité, sa chambre est là. La vôtre sera de ce côté. Il y a un minibar? Et... nous y voilà. Votre lit. Bonne chance. En crise de manque, c'est normal. Ça va aller. Chut, ça va aller. Oh, la vache, la gueule que t'as, ça fait peur. Ah. Tiens. T'as déjà pris quelqu'un par le cul? Ah, pardon. Ouais, j'en ai pas mal profité quand j'étais en prison et je suis plus trop regardant, j'ai pas besoin d'être le dominant. On n'est pas en prison, putain. Ouais, bah va dire ça au juge. La moitié d'entre nous, on est en pleine négo pour des remises de peine à la con. Laisse-moi tranquille. Hey, je fais que suivre le programme à la lettre, mec. Je te dis les choses telles qu'elles sont, hein. Après, t'en fais ce que t'en veux. Eh ben, je vais rien en faire, merci. Très bien, ben, au moins, voilà une question de régler. Je te laisse ma carte sur ton oreiller. Sinon, cette époque est finie. Merci pour les cigares, Link.
Tu te fous de ma gueule? En t-shirt? T'es complètement malade, toi. Monte devant. T'as un peu déconné, toi, pas vrai? Non, c'est juste que je suis né comme ça, c'est tout. Tiens, attends une seconde. Je portais ça quand je travaillais sur le bateau. Mais là, c'est une bonne veste. Non, c'est bon. Ça va aller. Tu me dois rien, mec. Vas-y, mets-la. Ok. C'est une putain de veste pour le bonheur. Un petit passage au rayon X, hein. Raconte des conneries sur moi, hein. D'accord, et les filles, regardez, enfin quoi, tu me connais, chérie, il faut que tu me crois, t'es pas... Ah, espèce de saloperie de toi et de mes deux. Paye au moins ma caution, d'accord. Me laisse pas là. Tu sais que t'as fait un travail de merde hier. Pourtant, moi, ça me paraissait nickel. C'est parce que t'es sale. Tu sais pas ce que c'est que la propreté. T'as un problème? Aucun problème. Des mecs comme toi débarquent, on leur sert tout sur un plateau, sauf que tu sais que dalle. Ok, ouais, tu ferais mieux de dégager. Non, pas tant que tu seras pas nettoyé. Non, mais sérieux, il faut que j'apprenne à nettoyer. Ah ouais, c'est vrai. Tu voulais que ce soit immaculé? Et ce sera immaculé. On va commencer par toi, alors. Non, pas, hein? Au secours, que t'as au secours. Arrête! Non, s'il te plaît! S'il te plaît! À moi! Allez! Tu rigoles? Laissez-le tuer! C'est que de la flotte! Au secours! Ah. Au secours! Mais merde! Qu'est-ce que tu fais? Ah, oh, lève-toi, c'est bon! Non! Debout, non, mec, allez! Moi. Non! Putain, mais c'est quoi ton problème? T'es taré, mec! Putain, mais ce mec! Ce mec est complètement taré! C'est bon, lâche-moi, toi! Connard! Ça va aller, merci! Ah, attends! Oh putain! Salut, c'est Bob. Je suis absent. Laissez un message. Bob, putain, t'es où, mec? Il faut que je te parle, faut que... Oh, putain, c'est foutu, Benzo. Me foutre la tête en l'air, j'y arrive pas! Je peux pas tenir. Je suis désolé, mon vieux. Avec moi, James.
Bon, écoute, si tu veux me virer, vas-y, fais-le. Dis-moi ce qui s'est passé, James. J'ai entendu dire que t'avais menacé un de nos patients. Je l'ai même pas effleuré, bordel. C'est qu'un pauvre taré qui veut jouer les durs en faisant passer pour son grouillot. Calme-toi. Mais va te faire foutre, mec. J'ai dit calme-toi. Sinon quoi? T'as l'intention de me foutre dehors? Écoute-moi, James. Il y a 3 états qui te recherchent. Si tu fais quoi que ce soit de pas net ici, quoi que ce soit, tu vas en tôle. C'est ça que tu veux? Bah, ils veulent pas de moi à la Maison Blanche de toute façon, alors. Excusez-moi, Lincoln. Vous devriez aller voir comment va Roy. Ouais, très bonne idée. Ouais, tu devrais aller voir comment va Roy. Pauvre con. En fait, j'ai aucun besoin d'être ici. Je suis pas du tout comme les autres patients. J'ai eu un accident et tout le monde en a fait toute une histoire pour rien. Vous croyez vraiment que c'est pour rien? J'ai eu une sale période, récemment. Ça, je veux bien le reconnaître. Il faut juste du temps, pour y voir un peu plus clair. C'est précisément de ça qu'il s'agit, ici. Non, il s'agit d'alcooliques anonymes, ici. Et c'est de la merde en bas, si vous voulez savoir ce que je pense. Ah non, du tout. Je sais que ce programme donne des résultats et j'ai l'impression que vous n'avez même pas essayé. Parce que ça mène nulle part. Pourquoi? Parce que c'est basé sur Dieu et que je crois pas en Dieu. Dieu ou un pouvoir d'ordre supérieur qui va bien au-delà de ce que nous sommes. Un pouvoir d'ordre supérieur, appelez ça comme vous voulez, mais on sait qu'on parle de Dieu. J'ai raison. Monsieur Fry, je vais être franche avec vous. Nous sommes un centre dont la spécialité est d'offrir une aide aux personnes en état de dépendance. Qu'elles soient chrétiennes, juives, musulmanes ou bouddhistes, c'est pas la question. Toute personne droguée ou souffrant d'addiction a besoin de structure, elle a besoin de bases solides et d'un système de soutien si elle espère s'en sortir un jour. Sauf que je suis pas un drogué, j'ai pas d'addiction. J'ai pas d'addiction. D'accord? Okay. J'ai peut-être un peu pété les plombs, mais je suis pas pour autant un drogué. Ici, on dit un seul jour à la fois, c'est notre credo. Et dans moins de 10 minutes, c'est l'heure du petit déjeuner. Je suis dans la chambre 312 au cas où vous auriez besoin de quoi que ce soit. Entendu? Faut surtout que j'arrête de prendre ces putains de médocs. J'en toucherai 2 mots, docteur Baker, si vous voulez. La première semaine est la plus dure. Ben alors, James, t'as pété les plombs? Je les ai pétés aussi, fut un temps. Mes potes aussi ont pété les plombs. Alors on s'est dit qu'on pouvait t'accompagner. C'est la table de ceux qui ont pété les plombs. Ouais, je vois ça. Lui, c'est Ed. Lui, c'est Ted. Aucun lien de parenté. Ed, ici présent, a baisé la femme de son meilleur ami. Son meilleur ami s'est mis en rogne et lui a arraché ses implants. Tu parles d'une merde. D'où le bandana façon Bon Jovi. Excusez-moi, les gars. Je veux pas de votre amitié. Je te donne tout à fait raison. Avoir plus d'amis, c'est le dernier truc dont j'ai besoin. J'ai juste trouvé marrant la branlée que t'as mise à Roy. Il en tient une couche. J'ai rien fait du tout. Ah bon? Eh ben, dans ce cas... À votre avis, c'est du poisson ou du poulet? On tira pile ou face. Vous m'avez entendu, James? Vous comprenez ce que je dis? Je vais vous le dire plus crûment. Nous avons regardé vos analyses sanguines, examiné tous vos résultats.
Vous avez infligé à votre corps des traumatismes si violents et de façon si prolongée que je m'étonne que vous teniez encore debout. Et surtout que vous puissiez marcher. Vous avez causé des dégâts quasi irréversibles à tous vos organes vitaux. Poumons, estomac, vessie, reins, foie, cœur. Tout. Je n'ai jamais vu un tel niveau de délabrement chez quelqu'un d'aussi jeune. Si vous recommencez à consommer, il est plus que probable que vous ferez un arrêt cardiaque. Et adieu. Un simple verre pourrait entraîner la mort en quelques jours. Ce serait fini. Rideau. Putain! John, sors d'ici, mec! Allez, Philippe, dégage! Un peu de compagnie te ferait du bien. Sors de là, John! T'inquiète, t'inquiète, tout va bien. Non, tout va pas bien. Si, je te dis ça. Ça va pas aller, allez, non? Essaye. Non, allez, qu'est-ce que tu fais? Te mets pas à genoux comme ça. Hein, ça arrête, va, lève-toi! Je te dis, calme-toi. Non! Putain! John! John! Je suis désolé. Couvre-toi, putain! Si tu veux, tu peux me cogner. Non, j'ai aucune envie de te cogner. Je suis sûr que si, je le vois bien que tu m'en veux. Non, c'est pas bien ce que j'ai fait. John, je vais pas te cogner, d'accord? Si, ça peut être cool, hein, tu peux me frapper. Non, c'est pas cool. Je veux pas te frapper. Arrête de me toucher. Pardon, je suis désolé. Putain, John. Pardon. C'est bon, oublie, d'accord. Allez. Désolé. Ayant réussi pas mal de choses dans ma vie, je crois que ma plus grande crainte était d'échouer dans cette guérison. Mais vous tous, vous m'avez fait un cadeau magnifique. Un cadeau quand je lui donne 2 semaines. Je n'aurais sans doute pas eu la force. J'en donne qu'une. J'ai plutôt 2. Tu veux comparer? Une étape après l'autre. Merci. Tout ça, ça va ramasser de conneries. Deux secondes, le jeune. Oh, c'est pas vrai, mais laisse-moi tranquille. Oh, viens, allons discuter à l'intérieur, viens. Putain, mais arrête de me suivre, c'est bon. Mais enfin, merde, de quoi t'as peur? Va te faire foutre. Ouais, je vais me faire foutre. Tout le monde va se faire foutre, toi y compris. Crève dans ton dégueulis en pleine rue. Mais qu'est-ce que t'en as à branler? Bah, tu vois, franchement, rien du tout. Bah, c'est ce que je dis, va te faire foutre. Ha! Ah ouais? Je crois que tu fais semblant d'en avoir rien à cirer. Et je crois aussi que t'es quelqu'un qui a pas de couilles et que t'en as d'autant moins que tu veux pas le reconnaître. Voilà ce que je pense. Ah, quand même, il reste encore un peu de vie là-dedans. Mais enfin, putain de merde, qu'est-ce que tu veux? Il s'agit pas de ce que je veux, mais de ce que tu veux. Tu trembles à en crever tellement t'as les chocottes. Mais ça, c'est un truc que ton esprit te fait croire. Tu peux vaincre ton addiction. Tu peux gagner. Non, je sais que non. Je suis sûr que si. Bon, et si tu me lâchais? Parce que là, on a l'air de 2 danseurs complètement indécis. Écoute-moi, on va passer un accord tous les 2. Tu vas encore patienter là-dedans pendant 24 heures. Pas une minute de plus, juste 24 heures. Et si demain, t'es toujours dans le même état d'esprit, je me charge de tes bagages, je te fais un sandwich et je te renvoie chez toi. Vingt-quatre heures, putain, c'est pas la mort. D'accord? Ça veut pas dire qu'on est amis pour autant. J'en demande pas tant. J'ai pas apprécié que tu manques de respect à notre chambre l'autre jour. Peut-être que ça te fait rigoler, mais pas moi. Ouais, ben je compte pas rester longtemps, alors ce soir tu peux te la fourrer dans le cul si ça te chante. Eh ben au moins j'aurais plus à supporter ta connerie. Ouais, ben moi j'aurais plus à supporter de t'entendre massacrer cette clarinette. Mmh.
Comment ça va, vieux? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est le jour des visites. Alors, à ton avis? C'est quoi tout ça? Ah oui, je t'ai apporté deux ou trois trucs. T'étais pas obligé. Je sais, mais j'en avais envie. Tiens, regarde. On peut discuter, juste? Vas-y, jette un coup d'œil. Bien joué, maman. Et c'est pas tout. Il y a plein de gens qui appellent. Ils veulent savoir comment tu vas. Julie et Kirk t'envoient leurs meilleurs vœux. Et Arctic Eyes, elle t'a contacté? Non. Non, j'ai pas de nouvelles d'elle. J'ai arrêté. Et si je suis cuit et qu'il n'y a rien de réparable chez moi? J'ai vu un truc à la télé l'autre jour. Ça parlait du Japon. À ce qui paraît, il y en a qui réparent les objets qui ont été cassés avec de l'or. Comme si le défaut de l'objet devenait une partie de son histoire. Une partie de ce qui le rend beau. Il n'y a rien de beau chez moi. Qu'est-ce que tu racontes? Du coup, je me suis dit que tu pourrais te faire faire des dents en or. Il paraît qu'il n'y a que 15% de gens qui sortent d'ici et qui restent sobres ensuite. Et ils comptent que sur une seule année. C'est des vraies statistiques, celles qu'ils évitent de crier sur les toits. Pourquoi tu racontes ces conneries? C'est un fait. C'est qui? Allez, viens. Viens, on rentre. Je crois que je préfère rester ici quelques instants. Ah ouais? Alors, dans une semaine. Je te vois dans une semaine. Ouais, ok. Mais personne t'a dit où j'étais ou ce que j'étais en train de faire. Je sais pas, je comprends pas. James, le moment est mal choisi. Mais tu crois que c'est quoi pour moi? Tu crois que je m'amuse? James, j'ai pas le temps pour ça. Merde. Écoute, c'est pas ce que je voulais dire. Je t'en ai trop fait voir. Je pensais seulement que tu serais... Je sais pas, que tu serais contente que je sois ici, c'est tout, tu vois. Je le suis. Attends, c'est qui? Je croyais que tu saurais. Maintenant, je suis vexée. Non, non, le sois pas, c'est juste que je m'y attendais pas. Mais c'est qui? Ma grand-mère t'a trouvé très beau aujourd'hui. Ah ouais, elle t'a dit ça? T'es sûr qu'elle parlait pas de mon frère, plutôt? Comment tu savais que je répondrais? Je savais pas. En fait, tu sais qu'on est les deux plus jeunes, d'au moins 10 ans. Non, je savais pas. Comment tu le sais? C'est des conneries d'empêcher les hommes et les femmes de se parler. Ouais. Ouais, j'imagine que c'est pas censé ressembler au monde réel ici. Ils nous coupent de quelque chose de tout à fait naturel. Ça veut dire quoi? Que quand je sortirai, je pourrai plus jamais parler à un homme? Putain, faut que je renonce aussi au mec. Je suis content que t'appelles. J'ai de la chance que tu sois là. On se voit à l'espace Réunion. Tourne-toi. Que je me tourne. Ouais. Oups. Prise en flag.
Elle est pas jolie, elle? Si, elle est jolie. Elle a 22 ans. Eh, viens là. Tu peux sortir avec, si tu veux. Je me sens encore mal pour l'autre jour. D'accord. Je vais me rattraper. D'accord, détends-toi. Non, non, non. Écoute. Tu peux lui faire tout ce que tu veux. Je suis son père. Elle fera tout ce que je lui dirai. Tu déconnes? Quoi? Tu trouves que c'est pas bien? Merde, c'est ta fille, putain. Alors oui. Désolé que ça te déplaise. T'es qui pour me faire ce truc de connard? Merci, James. Donne ça à boire à un gorille constipé, il trope à la baraque. Mmh. Content de pouvoir te rendre service. T'as fini par te dégonfler, à ce que je vois. Bah quoi? Les 24 heures sont écoulées et t'es toujours là. J'étais justement en train de m'en aller, d'ailleurs. Y a aucune honte à avoir, t'as décidé de rester. Non, j'ai décidé de pas partir. Je voudrais pas qu'à cause de moi, t'aies une attaque en essayant de me raisonner. Donc c'était une décision totalement altruiste? Je t'emmerde. Bah, peu importe comment tu le vois. Eh, on était en train de discuter, James. Tu pourras au moins attendre la suite. Alors, t'es prêt pour ton nouveau sourire tout neuf? Il te plaît pas, celui-là? Si, il est parfait. Allez, on y va. Ah ouais, juste un truc. Je sais que t'en as une paire, hein, y a pas de doute, mais je me suis dit que cette paire-là te serait utile. Pourquoi? James, ils vont pas te mettre sous anesthésie, ni sous antalgique. Rien. Ils peuvent pas. Pas tant que t'es un pensionnaire traité au centre. D'accord. Si ça commence à faire mal, tu commences à serrer. Allons-y. Bien, je vais vous baisser un peu. Ah. James, on y va. Bien. Ça vous ennuie qu'on enlève le livre ? Ouais. J'aimerais mieux le garder. D'accord, d'accord. Alors, on y va, James. Vrai ? Vers moi, s'il vous plaît. Ah. Merci. Je vais regarder celle-là. Je vérifie simplement, d'accord ? Ah, ici. Ah. Oh, ok. Coton, s'il vous plaît. Vrai ? Très bien, merci. On va essayer de faire vite. Attention, j'y vais. Ça va ? Ok, on continue. C'est quoi ? C'est une simple précaution. Pourquoi ? Que je ne vous blesse pas à l'arrière de la gorge. Essayez de rester tranquille. Mais au cas où, c'est une précaution. On fera aussi vite que possible, James. Ok. Serré. Bien. Tenez sa tête. Prêt ? Très bien. C'est parti. On y va, James. Ouvrez. Ouvrez. Très bien. Bien. Essayez de rester tranquille. Vous m'avez trouvé. Eh bien, entrez. Le divan est là, si vous voulez. Un café ? Mmh. Ouais, merci. C'est à vous ? Non, c'est mon copain qui fait ça. Moi, c'est le cheval. Ouais. Lui, ça fait à peu près 10 ans que je l'ai. En fait,
Une façon de nourrir l'âme, pas seulement de la détruire. Nous, on allait à la pêche. De temps en temps. Je suis pas le roi du hameçon, loin de là. Mais je bois autant qu'un poisson. Ouais. Il y a très longtemps, j'ai connu ça. Mais vous n'êtes pas une alcoolique. Si. On est tous d'anciens toxicos. Tous ceux qui bossent dans cette unité l'ont été un jour, qu'ils soient concierges ou conseillers. On a tous été dépendants. Ouais, moi je me vois pas trop. Sortir d'ici et plus jamais fumer de crack ou plus boire une goutte d'alcool. Vous voulez que je reste sobre pendant le reste de ma vie de merde? J'adore le crack. Je pourrais jamais arrêter. Je sais que je continuerai. Je le sais. James, à la seconde où vous vous dites que vous n'avez pas le choix, c'est que le choix existe. Vous comprenez? Ce que vous dites, ça sent la connerie. Peut-être. Mais ça marche. Vous n'en êtes qu'à la première étape. Bah, si c'est la première d'une série de 12, pour moi, ce sera la seule. Ce qui nous amène à la cinquième étape. Étape 5. Nous avons reconnu envers Dieu, envers nous-mêmes et envers d'autres humains, la nature exacte de nos erreurs. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que nos péchés peuvent être pardonnés. Le pardon existe. C'est vraiment ce qui caractérise la cinquième étape, le pardon à travers la confession. Cherchons à pardonner à ceux que nous pensons nous avoir offensés. Ce qui est enraciné va grandir. Un arbre géant pousse à partir d'une seule graine. Un voyage de 1000 kilomètres commence par un seul pas. Si vous ne possédez rien, vous n'avez rien à perdre. Regarde-moi encore une fois, je te jure devant Dieu que je t'éclate la cervelle. Je te jure devant Dieu. Roy, je te tuerai, te rappelle. Ça sert à rien. Toi, approche. Approche, je te dis, approche! Qu'est-ce que tu veux, Roy? Roy? Il n'y a pas de Roy? Je suis un dieu, putain de merde! Et le seul truc qui se mettra entre toi et moi, c'est cette putain d'épée! Tu m'entends? À genoux! Roy, pose cette lampe tout de suite. À genoux! À genoux, il te prend devant moi, ou je te garantis. D'accord, je d'accord. Je vais d'accord. faire très mal. Soumets-toi! Sous! Non, non, non! Non, d'accord, d'accord, d'accord. Soumets-toi, s'il te plaît. Y a que toi et moi. Soumets-toi. Regarde-moi. Chut, t'as pas prié. Il t'a pas entendu. Je vais vraiment t'aider à prier. Et je te jure qu'il t'écoutera. Et tu t'agenouilleras devant Dieu ou tu affronteras sa puissance. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. À genoux. Tes yeux. Vas-y, ferme les yeux. Je crois tes mains. Maintenant, on va prier. On va prier par la grâce d'un pouvoir qui me dépasse. Je m'apprête à te rendre un grand service. Arrête. Non. Je suis désolé. Je vais aller en enfer. Le spectacle est terminé. Désolé. Retournez dans vos chambres. Excuse-moi. J'ai dit le spectacle est terminé.
rester là toute la nuit? Plus ou moins. Et si on faisait une balade? Qu'est-ce qui te fait croire que j'irais me balader avec un type qui a une dégaine comme la tienne? Quoi? Qu'est-ce qu'elle a, ma dégaine? Sérieux, tu portes quoi, là? Je vais te dire un truc, mon pote. J'ai eu ces lunettes en paiement d'une voiture de collection que je vendais, d'accord? Tu vois cette montre? Il y a tellement d'or dans cette montre que si je te cassais la gueule avec, ça te tuerait sur le coup. Je parlais du pyjama, surtout. Il n'y a que ma mère qui osait me prendre en photo quand j'en portais un pareil. Ah ouais? Et alors? Comment tu te sens? Je sais pas trop. Bien, je dirais. Raconte ça à qui tu veux, mais pas à moi. Certains jours ça va, d'autres j'ai envie de me planquer dans un trou et d'y crever. Ah, bah c'est que tu vas bien alors. Accroche-toi. Ah ouais? Dixit l'ex-accro à la coke. J'étais encore un môme. Je zonnais dans la rue depuis plusieurs mois et c'est là que je tombe sur Mike le naze. Quand tu t'appelles Mike le naze, c'est qu'il y a un truc. Bon, enfin, dans le coin, c'était une sorte de véro. C'était un gangster, il avait une Cadillac, enfin la totale. Bref, lui et sa femme Gina, ils m'ont adopté, ils m'ont pris avec eux, ils m'ont offert la belle vie. Ensuite, Gina a eu un cancer. Elle a été emportée beaucoup plus vite qu'on aurait pensé. Et du coup, Mike a perdu tout contrôle. Il est tombé dans la coke, les putes, et bien entendu l'alcool, enfin la merde habituelle. Et un jour, il a disparu. Et là, j'avais plus personne. J'étais perdu, largué. Alors j'y suis allé à fond, j'ai plongé sec. Et puis un an plus tard, dans la cuisine, une nuit, j'entends qu'on marche. Alors je descends voir, je prends un flingue, bien sûr. Et là, je manque de mettre une balle dans la tête d'une sorte de colosse, pétant de santé, qui était en train de se plaindre que mon putain de frigo était pas assez rempli. C'était cet enfoiré de Mike. Et il m'a parlé de cet endroit. Il a dit, Lenny, je vais t'emmener dans cet endroit. Il a dit, tu vas vivre des jours chiatiques, probablement les jours les plus chiatiques de ta vie. Et ton âme va ressentir des douleurs que t'aurais jamais pensé éprouver. Mais tu vas t'en sortir. Et à partir de là, tu vas vivre sobre et tu vas vivre libre. Et lui, il a vécu sobre et libre? Cette nuit-là, on est sortis pour fêter ça. C'était notre premier dîner depuis tout ce temps où on s'était pas vu. Et puis on est sorti, on a demandé au voiturier de nous chercher la caisse, et il s'est fait descendre par une bande de pourris à qui il devait un paquet. Et fin de l'histoire. Tu sais ce que j'ai fait? T'es venu ici? Je suis allé trouver chacun des salopards que j'avais vus cette nuit-là et chacun des mecs pour qui ils bossaient. Et ensuite, je suis venu ici. Celui que j'étais et toutes les choses atroces que j'ai faites, tout ça me torture, c'est certain. Ça n'arrête pas de tourner. Ça tourne en boucle dans ma tête. Je le ressens comme ça. Et peut-être bien que j'ai l'air de quelqu'un d'heureux. Mais il s'écoule pas un seul jour sans que j'ai envie de me faire sauter le caisson. Mais je tiens le coup. Parce que je pense à Mike. Parce que je lui ai fait une promesse, que je tiens toujours mes promesses. Et je vais vivre sobre, et je vais vivre libre. Tu crois que tu y arriveras? Tu crois que tu tiendras le coup? Seigneur, accorde-nous la grâce d'accepter avec sérénité les choses que nous pouvons changer. Le courage de changer celle qui devrait l'être, et la sagesse de les distinguer l'une de l'autre. Au travail, messieurs. Ouais, merci. Beau boulot. Et il faut pas oublier que cet enfoiré est quand même shérif. Il a beau avoir la tête du mec qui présente la météo sur la quatrième. Hé, hey, où tu vas? Tu pourras apprendre des trucs. Oh, merde. Pardon, désolé. Alors,
lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête devant la maison et au lieu de sortir de la voiture, il klaxonne. Alors nous, on commence à s'approcher en titubant, complètement défoncé. Et avec tout ce qu'il a eu, entre les crises, les maladies, les accidents, je me souviens pas de tout, mais j'étais étonné qu'il vive jusqu'à 44 ans. Un mésothélium, ou je sais pas comment ils appellent ça maintenant, mais je suis même pas sûr que ça avait un nom d'ailleurs. Une catastrophe ambulante, ni plus ni moins. C'est tout ce que je sais. Une vraie saloperie, ce truc. Salut. Bienvenue. J'imagine que t'as une copine. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que t'as été à la fac et du moment qu'on va à la fac, on sort, on baise ou on y laisse sa virginité. Qu'est-ce qui te fait croire que j'ai été à la fac? T'y es pas allé? Si. Et comment t'as perdu ta virginité? Comment j'ai perdu ma virginité? Mm-hmm. Vaut mieux pas que tu saches. Ben si, ça en dit long sur une personne. J'avais 16 ans. J'étais pas très précoce, tu vois. Franchement, non, mes potes avaient perdu la leur, genre 2 ou 3 ans plus tôt. Alors j'étais un peu sous pression, disons. Et c'était pendant le bal de fin d'année. C'est très romantique. Ben non, j'avais pas de partenaire en fait et... C'était avec une pute dans la bagnole de ma mère. Elle était franchement pas ragoûtante. Et elle sentait mauvais. Et elle arrêtait pas de me parler avec sa fausse voix pourrie. Ça a été fini en 2 secondes, tu vois, c'est pas... Ça a rien de romantique. Alors je suis entré, j'ai dit que j'avais passé une bonne soirée. J'ai sifflé une demi-bouteille de whisky et je me suis écroulé. C'est assez pathétique, je sais. C'est pathétique, non? Non. Ce que je trouve pathétique, c'est de s'attaquer à un pauvre arbrisseau. Je t'emmerde. J'avais encore jamais raconté ça à personne. Et si je te disais... Ma virginité, je l'ai perdue non pas avec, mais en étant une pute. Je dirais que je suis désolée. Je suis désolée. Comment t'as trouvé cette planque? Tu sais qu'on peut se faire expulser si on nous surprend ici. Une seule seconde de liberté vaut mieux qu'une vie entière passée en esclavage. Qui a dit ça? Moi? Non, ma grand-mère. Tu l'aimes beaucoup, on dirait. Plus que tout. Je crois qu'on devrait s'inventer un code secret. Un code secret? Quel genre de code secret? Je sais pas, du genre... Par exemple, on pourrait se fixer une heure de rendez-vous avec le nombre d'assiettes que tu mets sur ton plateau le midi. Ouais, ça devrait être jouable. Ouais. C'est pas difficile. 5 assiettes. 5 heures. 5 heures. Ouais, je vois l'idée. C'est bon, j'ai fait le tour. Justement, je te cherchais. Pourquoi? Elle a été ouverte. Qu'est-ce que tu crois? T'es en désintox.
L'échec est une opportunité. Si tu blâmes les autres, les reproches sont sans fin. Ne demande rien. Et donne tout. Rien, j'ai juste la trouvée. Pourquoi ? J'ai peur parce que je m'en vais et que je sais que je vais pas mieux. J'ai tout. Je me sens en sécurité ici, mais je sais que je vais faire une connerie et que je vais me retrouver en prison. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu crois que je suis suffisamment fort? Tiens, je te donne le numéro de ma fille. John. Non. Je veux juste que tu l'appelles. Et que tu lui dises que son père l'aime. Et qu'il a tout essayé. Qu'il a fait tout ce qu'il pouvait. Tu lui diras. D'accord, je lui dirai. T'es quand même un sacré cow-boy, toi. Lui, c'est le nouveau coloc de Miles Davis. Un vrai gangster. Non, mais c'est vrai. Ça, comme addiction, c'est vraiment triste. T'as pas idée, mon pote. Assieds-toi, gamin, je vais te présenter quelqu'un. Lui, c'est Matty. Oh, attends, je te connais, toi. Ouais, t'es champion de poids plume. Ouais, il l'a été. Maintenant, il est plutôt passé du côté poids lourd. Je t'emmerde, Lee. Champion poids lourd peut toujours mettre une raclée au poids plume, mais tu le sais. C'est rien du tout, mec, sinon que cette époque est finie. Non. Mais il m'a fait gagner pas mal de blé. Ça, c'est vrai. Comment vont les gosses? Bah, j'en sais rien, ils me parlent plus. Ah ouais? Écoute, t'es là, c'est tout ce qui compte. Sérieux, tu t'appelles vraiment Miles Davis? Oui, monsieur. C'est sur mon acte de naissance, sauf que je joue pas de la trompette. Je joue de la clarinette. Ouais, dommage que tu joues pas aussi bien que lui, hein? C'est pour ça que je suis juge et pas musicien. T'es juge? Ils m'ont mis avec un putain de juge. Pourquoi? T'as été en taule? Je me suis pas présenté à plein de convocations, mais j'irai pas en prison. T'as des mandats sur le dos, alors? D'accord, monsieur le juge. J'ai retourné une bagnole, frappé un flic, collé une benne et un gamin. J'ai foutu le feu à la chacoire de mon voisin. J'ai dealé de la drogue, j'ai volé. Des conneries, quoi. C'est pas moi qui vais t'accuser. Désolé, monsieur le juge. Puis-je me retirer? Où est-ce que tu comptes aller? J'invoque mon droit à garder le silence. Faire ça avec moi. Bon, comment ça, même si j'en ai envie? Non, je peux pas. Je peux pas aller plus loin. Paragoutante, c'est ça? Non, pas du tout.
J'ai encore jamais fait ça. Je veux dire, en étant clean. Ouais, ben, je peux en dire autant. La confiance, c'est le putain de béaba de la vie. La confiance en nous-mêmes, en notre valeur, en notre famille, en nos proches, sans parler de ces étranges processus, tous ces programmes qui sont à des centaines d'années-lumière de ce que notre pauvre cerveau est prêt à encaisser. Au début, personne ne le capte. J'ai pas capté tout de suite. Non. Mais les étapes, ça marche. Ça marche. La guérison, c'est un processus. Et pour Roy, il a fait les étapes, non? Ce mec, il est... Bah, c'est l'étudiant de l'année, je veux dire. Il a été nickel et d'un coup... Roy souffre de bipolarité et on a jugé préférable de le transférer. Oui, c'est différent. Écoute, j'étais comme toi. J'étais tout à fait le genre de mec à dire « Ouais, regarde-moi ces connards d'alcooliques anonymes. Ils sont reconnaissants pour un oui ou pour un non, je les aurais volontiers étranglés. » Ouais. Au début, j'étais comme ça aussi. Oui, et c'était réciproque. Mais j'ai fait confiance au processus. J'ai accepté les étapes. L'alcoolisme, c'est une maladie. Non, Alzheimer, c'en est une. Le cancer, c'en est une. C'est des trucs qu'on contrôle pas. Tu vas pas dire, hé, file-moi un shoot de Parkinson et un shoot de cancer. Mais t'as perdu le contrôle. C'est bien ce que je dis, exactement. Je choisis de me torcher, je choisis de me faire un rail. C'est pas comme quand t'as une saloperie de maladie atroce que tu veux plus avoir et que tu veux t'en débarrasser. Tu vois ce que je veux dire? Là-dessus, je suis d'accord. C'est une décision, c'est un choix. Je décide de plonger ou non. J'accepte de merder en devenant un toxico et je continue à foutre ma vie en l'air ou bien je deviens... Sobre? Ouais, sobre. Non? Laisse-moi te poser une question, James. Les dégâts que t'as pu causer dans ta vie, tout le mal que t'as pu faire, tu l'as choisi? Non. Non. Donc c'était pas ton ambition quand t'étais gosse de foutre la vie de ta famille en l'air? De ruiner ta carrière? Non, bien sûr que non. C'est arrivé parce que t'étais accro. Ouais. Ouais. T'avais pas le choix. C'est bien une maladie et t'as pas choisi de l'avoir. Parce que quel individu sain d'esprit choisirait de tout détruire? Si nous sommes libérés du désir, nous pouvons accéder au mystère. L'obscurité dans l'obscurité est la clé de toute compréhension. James! James! Quoi? Je crois qu'il y a une jeune femme à la fenêtre. Oh merde, c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu foutais? T'es trempée? Évidemment que je suis trempée. Je porote comme une conne sous la pluie depuis des heures. Enfin, t'es givrée, mais qu'est-ce que t'as... Putain, non, je suis pas givrée. C'est moi qui me fais chier à t'attendre dehors sous la flotte. Pourquoi? Depuis des... Parce que... Mais pourquoi, merde? Parce que quand j'ai regardé ton plateau, j'ai vu qu'il y avait 5 assiettes dessus. 5 assiettes, 5 heures, tu j'ai te rappelles? J'ai pas fait gaffe, j'avais pas notre petit jeu en tête. Tu te fous de ma gueule? Pourquoi je te mentirais? Pourquoi ce plateau avec 5 putains d'assiettes dessus? Pour rien, parce que j'avais la dalle. Pourquoi t'as attendu sous la flotte au lieu de te mettre à l'abri de la cabane? T'es juste qu'un gros enfoiré de gourmand, alors. Je suis parfois indécis. Il y avait un tel choix de dessert. Vaut mieux qu'elle s'en aille avant qu'elle nous attire des emmerdes. Je te présente, monsieur le juge. Désolé, oh, j'ai salopé ton bureau. C'est rien, c'est rien. Hé, je suis désolée. On se voit plus tard. Fais gaffe. T'arrêtes pas d'attirer les problèmes, James. Lincoln t'a déjà parlé de ça. Arrête de juger tout le temps. Joue-moi plutôt un de tes morceaux, Miles Davis. Laisse-moi te dire un truc. C'est la deuxième fois que je me retrouve ici. J'ai foiré mon couple et j'ai failli foirer ma carrière. En matière de foirage, je m'y connais. Ok. Alors évite de foirer ta première fois.
James est né, j'avais 3 ans et demi. Et je me rappelle le jour où on t'a ramené de la maternité. Ce jour-là, je me souviens, il a pleuré sans arrêt. Il a pleuré toute la journée. Attends, pourquoi tu lui racontes toutes ces conneries? Parce qu'elle m'a demandé, je pensais que ça aiderait. James, il faut savoir que le développement de l'enfant se joue essentiellement dans les 2 premières années. Mais moi, je me rappelle de rien. Eh ben, moi si. Et ce que je sais, c'est que t'as toujours eu cette rage en toi. Non, j'avais des saloperies de titre tout le temps et ça me faisait un mal de chien. Et là-dessus, ceux qui ont déconné, c'est les parents. Papa et maman ont déconné. Ouais, papa et maman. Ouais, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, je peux te l'assurer. Bob, t'as quand même l'air d'oublier un truc, c'est que j'ai 30% de surdité à chaque oreille. Je sais de quoi je parle. Et ça me va bien parce que parfois, je préfère ne rien entendre de toutes ces conneries. Vous avez conscience de ce que vous dites? Peut-être que c'est ce qui est au cœur de la colère que vous ressentez. Au cœur de votre addiction. Vous vous foutez de moi? Je sniffe de la coke, je vole et je mets des mandales parce que j'ai eu des soucis d'audition quand j'étais môme. Je dis qu'elle veut t'aider, James. Ouais, je sais ce qu'elle veut. Et toi, qu'est-ce que tu fous ici avec tes théories à la con? Il faut qu'il y ait à tout prix une raison qui expliquerait pourquoi je débloque, c'est ça? Pourquoi tu vas pas retrouver Karen et lui faire des gosses? Je sais pas. Karen et moi, on est divorcés. Ça fait plus de 2 ans. Quoi? On est divorcés, je t'ai appelé. Je t'ai appelé, parce que pour une fois dans ma vie, j'avais besoin d'un frangin. J'en savais rien. James, tout tourne autour de toi, t'es tellement sur toi. Je te le dis avec beaucoup d'amour, je suis tout seul dans cette merde, Bob. James. Je sais que t'as peur. Mais tôt ou tard, toute cette merde, va falloir que tu l'affrontes. C'est mon intention. Il n'y a ni bien ni mal, ni pécheur ni saint. Il y a seulement ce qui est, et c'est tout. Lâche prise. Contente-toi d'être. C'est quoi ce que tu lis? C'est rien. Je te crois pas, je te vois le trimballer partout où tu vas, tu le lis en permanence. Oh, c'est rien, c'est des pensées, genre celles que tu trouves dans les gâteaux chinois. Mec, on est tous dans le même bateau ici. Juge, criminel, buveur de whisky, drogué, on est pareil. Tous autant qu'on est, on doit veiller les uns sur les autres. Je l'ai appris en prenant des coups. Et maintenant, je renvoie l'ascenseur. Bon, écoute, tu peux le lire si tu veux. Jette une pincée de sel en même temps et puis je le trouve largement plus digeste que le livre des 12 étapes. Ah ouais? T'as jamais lu les 12 étapes? Déjà, il pèse pas 3 tonnes. Il y a aucun chapitre qui dit qu'un médecin indien s'est guéri tout seul ou je sais pas quelle connerie. Mais si tu cherches de vrais conseils, fais plutôt un tour avec Léonard. Je le ferai. Merci. Ah. Quoi, tu veux me payer? Non. Te remettre ça. Alors, comment ça va aujourd'hui? Où tu vas? Dehors, je fais un tour. James, on est en groupe, tu peux pas t'en aller. Ouais, je sais qu'on est en groupe, c'est juste que j'ai pas trop envie de partager aujourd'hui. Pourquoi ça? Pourquoi? Tu peux me dire en quoi ça te regarde? Je supervise ce groupe, alors ça me regarde. Bah vas-y, supervise! Bordel. Bon, Mike, tu veux bien commencer, s'il te plaît? Lily, viens. Qu'est-ce qui se passe? Ma grand-mère est malade. Oh, Lily, je suis désolé. Elle est tout ce que j'ai au monde. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux aller la voir. Je veux aller la voir, seulement j'ai trop peur parce que j'ai aucune confiance en moi. Hey, Lily, allez. Écoute, si tu veux, je vais avec toi. Tu veux y aller? Arrête, on peut pas y aller. Je peux pas. Il faut que je reste. Il faut que je reste. Elle m'a demandé de rester pour me battre, James. Il faut bien que je reste et que je me batte pour elle. Si tu veux. Si tu veux. Alors, je reste aussi, d'accord? D'accord. Je reste avec toi, ok? Allez. Vous êtes surpris en pleine violation du règlement. Vous connaissez les conséquences. Allez, on en s'il vous plaît, ton règlement. Vous vous séparez et vous venez avec pas, moi. Tu me touches pas, je te préviens. On peut procéder de 2 façons. James, viens avec moi.
Allez, quoi. Je vais pas me laisser faire comme ça. Très bien. Tu veux bien attendre à l'intérieur? Je vous donne une minute. Lily. On y va. Putain. Tu as enfreint le règlement. Tu as brisé l'intégrité de cet établissement, et ce faisant, tu as mis tes camarades en danger. Merde. On va te redonner une chance. Mais que ce soit clair. Encore un faux pas. Un seul. Et t'es renvoyé chez toi. Définitivement. C'est bien compris. C'est toi qui as décidé ça? Peu importe qui en a décidé. Va te reposer. Et pour Lily, est-ce qu'elle... Elle va bien? On a dit à Lily qu'elle n'avait pas l'autorisation de chercher à te revoir. Alors elle est partie. Elle est partie? Comment ça? Pourquoi vous ne l'avez pas empêchée? Les patients ont le droit de partir quand ils le veulent, tu le sais. Oui, mais... Ok, je sais où elle est, je sais où elle va. Il faut la trouver. Lincoln, il faut la retrouver. James, les structures comme la nôtre ont une bonne raison d'exister. Une fois qu'on en sort, on n'oublie pas. Et on se dit qu'on retiendra la leçon. Il s'agit d'une personne. Et pas d'une leçon à retenir. Et si c'est comme ça que ça se passe, j'ai aucune envie d'y rester dans ta putain de structure. T'as oublié ta veste. Allez, James, viens. Monte. Non, non, j'y retourne pas. Tu veux la retrouver, oui ou non? Bon, allez, dépêche, monte. On va la ramener à la maison. C'est quand le prochain départ pour Chicago? Il n'y en a pas avant 2 heures. Bonsoir. En fait, je cherche quelqu'un. Mais qu'est-ce qu'il fout? Vas-y, roule, roule! Thank you.
Où est cette petite bête? Allez, au boulot, dépêche! Ellie? Qu'est-ce qu'il veut, lui? Hé! Ne la touche pas, sans l'enfoiré de merde! C'est le fruit de pervers! Non, 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 non! Lâche cette merde! Arrête-la! Lâche cette merde! Lâche-moi! Putain, mais lâche-moi, merde! Lâche-moi, putain de merde! Mais fais pas chier, lâche-moi! Touche pas à cette merde! Putain, mais laisse-moi tranquille, de toute façon, j'allais pas y toucher! Je te ramène à la maison, Lily! Arrête de me regarder! Lâche cette merde et foutons le coin d'ici! Non! Lâche cette merde! Arrête! Allez, viens! Tout va bien, on va arrêter ces conneries! J'allais pas en prendre, j'allais calme-toi. Pas en prendre! J'allais pas en prendre! S'il te plaît, fais pas reste là, je m'occupe d'elle. Je veux James. Ça va aller. Ça va aller. Je suis réveillé. Je voulais te remercier. Ouais? Pourquoi? Pour cette nuit débile, tu crois quoi? Il y a beaucoup de grandes gueules ici. Jamais j'aurais fait ce que t'as osé faire, espèce de taré inconscient. Dis-moi la vérité. T'as été tenté de replonger? Ouais, mais quand j'ai regardé Lily, J'ai su qu'elle comptait plus pour moi que le crack. Sur le moment. Mais dans une situation où elle serait pas là. Parce que tu sais très bien qu'elle sera pas toujours là. Ouais, je sais. Bah, t'as atteint ton premier objectif. Ah ouais, lequel? Rester clean et aider un autre toxico.
l'as fait, alors félicitations. C'est la 12e étape. Ah ouais, bah, la 12e étape, on peut bien aller se faire enculer. Ouais, n'empêche que tu l'as fait. J'ai lu que la voie à suivre est celle du retour en arrière, que le chemin vers la lumière est sombre. Et putain, parfois, qu'est-ce qui peut être sombre ? Là, il me suffit de regarder Léonard. Avec lui, d'un coup, tout paraît si simple. Bien sûr, il vire parfois un peu trop théâtral, mais quelque part, il tape juste. Avec lui, tout semble facile. Je voulais juste vous dire que ce jeton représente énormément pour moi. Et je sais que pour vous, il représente beaucoup aussi. Ma sacrée cinglée de famille. Léo et moi, on a organisé une fête au moment du combat pour le titre de champion des poids lourds. Le challenger s'est d'abord pris une raclée, mais il y a eu un moment où, pendant une seconde, c'était comme si on avait oublié la merde dans laquelle on était. Les gars, à table. Ça m'a fait réfléchir. Je sais pas ce que je vais faire quand je vais sortir d'ici, mais peut-être qu'il y aura d'autres jours comme celui-là. Vous pensez avoir besoin d'aide pour y arriver ? Il est temps de procéder à votre inventaire personnel. C'est la raison d'être de ce que nous faisons. Vous devez découvrir la vérité, vous devez vous l'approprier. Vous l'écrivez, vous en prenez conscience et vous passez à autre chose. Découvrir, transcrire et jeter. Jeter ? Oui. Vous devez vous en débarrasser. Vous le savez, vous le reconnaissez. Vous n'en avez pas marre de transporter toute cette merde ? Vous n'en avez pas besoin. Non, vous avez raison. C'est pas facile. Mais faites votre étape 4. Vous passez ensuite à l'étape 5, vous travaillez avec le père David. Avec et le père David ? Pourquoi il faudrait que ce soit un prêtre ? Les prêtres ont fondé l'endroit où vous êtes. Oui, bien sûr. Lily sortira de l'hôpital quand ? Je ne discute pas de nos patients. Joanne, quand même, allez. S'il vous plaît.
Entrez, mon fils. Je suis le père David. Sauf votre respect, monsieur, je ne suis pas votre fils. Bien, si vous voulez. Asseyez-vous, James. Alors, vous êtes ici pour votre cinquième étape. Je ne crois pas du tout aux étapes, mais je suis venu plutôt pour me confesser. Vous êtes catholique ? Non. Non. Dans ce cas, si ça ne vous ennuie pas, appelons cela une conversation. Excusez-moi, c'est une pure perte de temps, excusez-moi. Je sais pas pourquoi je suis venu. Bon, alors ça donne quoi, ce petit inventaire ? C'est une conversation, apparemment. Tout est sur cette putain de liste. Enfin, j'exagère, il n'y a pas vraiment tout. Bon. Alors donne-la-moi. C'est que des... Il y a eu cette fille. Et j'ai tout foiré. J'ai tout foutu en l'air. J'étais à moins que rien. Alors je suis... Je suis entré dans une église. D'accord ? Et je me suis assis et j'ai joint mes mains. Et j'ai prié pour obtenir mon salut. J'ai prié rien que pour être normal. Et ce mec arrive et s'assoit à côté de moi, et c'est un prêtre. Alors je me dis, oh, ça y est, je vais peut-être enfin obtenir un semblant de salut. Et je suis prêt à dire des trucs, je suis prêt à raconter tout ce que je pourrais lui dire. Et puis là, je vois sa main qui se pose sur mon genou. Et sa main qui... Oui. Et là, c'est comme si le cerveau se foutait en vrille. Et je me mets à le cogner. Et là, je le vois s'écrouler et je continue à le rouer de coups de pied dans les côtes. Et j'arrête pas, je le frappe et j'arrête pas et je le laisse là où il est. Laisse ça de côté. La personne que tu étais n'est pas celle que tu es là. Je t'ai vu évoluer. Mais laisse pas ça te bouffer. Je sais pas, je me sens tellement honteux. Je me sens tellement, tellement honteux. T'es un être humain d'une grande valeur, James. T'as encore à donner à beaucoup de monde. Et tu crois pas qu'il serait temps de comprendre que t'as une putain de vie à vivre ? Personne te jugera à part toi-même. Si j'étais toi, j'irais brûler ce tas de papier et je le réduirais en cendres que je disperserais un peu partout dans l'océan. Fais la paix avec toi-même. Tu dois lâcher prise. T'es sur la voie ascendante. Te laisse pas tirer vers le bas. Qu'est-ce que t'en as à foutre, toi ? T'es entré dans ma vie comme je suis entré dans celle de Mike. Et je sais l'effet que ça peut avoir sur une personne. Et si ça te dérange pas, j'ai décidé que je voulais que tu deviennes officiellement mon fils. C'est pas des conneries. Tu veux que je devienne ton fils ? Oui, je veux que tu deviennes mon fils. Non, tu déconnes. Non, je suis sérieux. Je sais tout ce que tu rencontres comme problème. Et j'ai envie de t'aider à les résoudre. D'accord ? Tu veux bien ? Tu veux bien me laisser t'appeler mon fils ? Sans vouloir manquer de respect à ta famille. Ça voudrait dire beaucoup pour moi. La seconde où t'as fini, tu m'appelles. C'est compris ? Ouais.
Je connais un endroit où aller. James, t'es con, c'est un bar. Ouais. Ouais, je sais. On n'entrera pas là-dedans. On va entrer.